Alors, si on dit qu'on fait une semaine de 35 heures, ouais, 40 avec les heures sup, qu'on commence à 9 heures et qu'on finit à 18 heures pour aller coucher les mioches, avec une petite pause déj de midi à 13, on en a approximativement pour 5 semaines et un jour. Oh, allez Jean-Jacques, sors le pop-corn, on commence. Quand je pense qu'il y en a qui se plaignent quand un film fait plus d'une heure et demie, faut prendre son temps parfois. Et c'est justement de beaucoup de temps qu'a profité le réalisateur Gérard Courant, originaire de Lyon et qui est spécialisé dans ce qu'on pourrait appeler le cinéma expérimental. À partir de 1975, il a réalisé de nombreux courts-métrages et un long en 1977, sobrement appelé Urgent. Ou à quoi bon exécuter des projets puisque le projet en lui-même est une jouissance suffisante. Ça va devenir soit mon épitaphe, soit mon nouveau tweet name. J'hésite. À partir de février 1978, il se lance dans un nouveau projet. Le cinématon, contraction de cinéma et photomaton. Il porte plutôt bien son nom puisqu'il s'agit d'une série de portraits muets de personnalités du spectacle et de l'art qui est toujours en tournage depuis le 7 février 1978. Et oui, ce fameux film de 208 heures est continuellement en création. C'est aussi l'avantage du cinéma expérimental, on peut expérimenter des trucs. Et encore, c'est pas le film le plus long de l'histoire, puisque est prévu pour décembre 2020 un film suédois de seulement 720 heures. Soit 30 jours d'affilée. On va s'ambiancer. C'est le titre du film, ambiancer. Voilà. Expérimental, quoi. Le cinématon se compose de 3119 portraits de 3 minutes 20 chacun, précédés de 3 panneaux écrits à la main par Gérard Courant, indiquant le numéro du portrait, qui est la personnalité dessus, et quand et où ça a été tourné. Le contenu est assez simple, un facecam muet de la personnalité en train de faire des trucs. Des trucs genre écrire, lire, fumer une clope, ou juste rien. Rien du tout. Juste être là. Face à cette caméra, à cet instant précis. Bon, y a bien aussi Alain Chabat qui boit de l'eau en tournant sur lui-même et qui se renverse la bouteille à la fin sur la gueule. Est-ce que vous aviez besoin d'autre chose pour être heureux aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Parmi les personnalités filmées par Courant, on peut retrouver Jean-Luc Godard, Mathieu Amalric, Roberto Benigni qui parle à la caméra alors que c'est un film muet, ou encore Chantal Lobby et Dominique Farrugia pour rester avec les nuls. Mais il y a aussi des dessinateurs, des peintres, des critiques de cinéma ou encore des journalistes comme Patrick Poivre d'Arvor et son jumeau Tout de Pierre. Mais quel est le but du cinématon? Eh bien, c'est de rendre une image fidèle et authentique. Poser la caméra, capter un instant de vie, une pause peut-être qu'on ferait naturellement devant l'objectif, mais qui devient de plus en plus sincère tout au long de ces 3 minutes 20 de film. En tout cas, c'est ce qui ressort des différentes critiques que vous pouvez retrouver sur le site de Gérard Courant. Mais alors, où est-ce qu'on pourrait les voir ces fameuses 208 heures de film? Est-ce que ce serait dommage de se passer de ces 8 jours et 6 heures de... Pardon, pensez à la quantité phénoménale de café qu'il faudrait prévoir pour soutenir le coup. En vrai, c'est une expérience à vivre. Et il y a beaucoup d'endroits qui l'ont proposé en projection et d'autres qui le proposent encore. Sa projection la plus récente a eu lieu au Berwick Film and Art Medias Festival au Royaume-Uni du 13 au 22 septembre 2019 pour un total de 12 180 minutes de film. Après, vous pouvez aussi retrouver la majorité des portraits sur la chaîne YouTube de Gérard Courant. Quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film est en constante évolution, donc on le verra jamais de la même manière. Et je trouve ce concept du film infini plutôt cool. On dit qu'on voit pas toujours un même film de la même façon à chaque revisionnage. Mais qu'en est-il d'un film qui est en constante croissance? Voilà, maintenant vous savez quoi faire pendant les 208 prochaines heures. Si toi aussi tu te poses des questions sur le cinéma et que t'as la flemme de chercher, n'hésite pas à me la mettre en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo dessus. Et pense bien sûr à t'abonner.